moi, j'aurai besoin de vos services pour m'emmener à l'aéroport le 23. Est-ce que vous êtes disponible? Le 23. Attendez, je regarde, monsieur. C'est un mardi, c'est ça? Oui, tout à fait. À quelle heure? Alors, mon avion décolle à 6h15, donc il faudrait être à l'aéroport à 5h45. Oui, c'est bon pour moi, monsieur. Très bien, merci. Allez. Je vous en prie, monsieur. Et voilà, monsieur. Merci, Al. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Merci également. Merci, au revoir. Alors, Al, ça va le boulot? Ouais, ça va. En ce moment, je travaille pour un PDG, un mec qui travaille dans les finances. Tu conduis au travail, c'est ça? Ouais, je le dépose à son bureau le matin, puis je le récupère le soir. Mais ça m'arrive de l'amener à l'aéroport aussi, pour des voyages d'affaires de dernière minute. Tu te rappelles le jour où je t'ai rendu service pendant ton absence? T'as quelque chose à me demander? J'ai une maman qui cherche désespérément un chauffeur pour sa fille. Ce dernier vient de démissionner, je lui ai parlé de toi et elle voudrait t'engager. Sa fille? Je peux savoir quel âge elle a? Elle a 15 ans. Écoute, c'est une maman désespérée. Elle et son mari sont constamment en déplacement. Elle est inquiète de savoir sa fille dans les transports. Elle a besoin d'un chauffeur à la hauteur. Et t'as pensé à moi? Je la connais bien et elle voudrait un chauffeur de confiance. Duc et moi lui avons parlé de ton passé et de ton expérience. Elle m'a supplié de te convaincre. Qu'est-ce que vous avez dit pour mon passé? Rien qu'elle n'ait à savoir. Vite, t'en penses quoi de tout ça? Écoute, je comprends ta réaction. Il s'agit juste de l'emmener à l'école et de la ramener chez elle le soir. Sa mère sera rassurée et c'est tout. Et puis c'est juste l'histoire de quelques jours. Je te promets que c'est juste provisoire. Je l'emmène à l'école le matin et je la ramène le soir chez elle, on est bien d'accord. Tout se passera bien, je te promets. Bon, merci encore. Stresse pas, ça va te faire voir autre chose. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Bon, merci encore. Et à plus. À plus. Dis-moi, tu m'appelles. Hein. Promis. Bonsoir, monsieur Miller, vous venez chercher votre veste? Oui, tout à fait, oui. Elle est prête. Super. Petit papier. Tenez. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Bonsoir à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour Duke. Margata. Entrez. Bonjour. Présente Al. Bonjour Al. Bonjour, je vous invite à entrer. Duke m'a dit que vous étiez chauffeur pour un homme d'affaires, c'est bien ça? Oui madame. D'accord. Puis-je vous servir un petit quelque chose? Un verre d'eau s'il vous plaît. Alors, c'est la première fois que vous allez vous occuper d'enfants. Mais Duke m'a parlé de votre expérience professionnelle et je lui fais entièrement confiance. Je serai rassurée de savoir mes filles entre très bonnes mains. Ces filles, je t'explique. Les filles, vous descendez? Oui, maman. Je vous présente Al. Al, je vous présente Allison et Kim. Enchantée. Bonjour. 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 Et vous présentez leur chambre. Vous montez? D'accord. Voilà ma chambre. Là, c'est mon lit, mon armoire, ma télé. Ben là, il y a ma petite cousine, grande cousine et mon cousin. Voilà ma chambre. Vous avez mon lit et mon côté bureau. Vous avez des enfants, monsieur? Al, tu m'appelles Al. Non, j'ai pas d'enfants. En quelle classe vous êtes? En seconde et Allison en CM1. À quelle heure commence l'école? 8h30. Toutes les deux? Oui, on est scolarisés dans le même établissement. D'accord. À 7h50, je serai garé devant la maison avec la voiture. Jean, lui, venait à 8h. Jean?
Oui, notre ancien chauffeur. Avec Jean, c'était 8h, avec moi, ce sera 8h-10. C'est clair? D'accord. On a une balançoire. Bah, la poule, elle s'appelle Soleil. C'est moi qui lui ai donné ce nom, Soleil. Au revoir, Alain. Au revoir. Au revoir, Duke. À bientôt. Pourquoi Chris ne m'a pas dit qu'il y avait deux filles? Je sais que tu serais jamais venu. Il n'y en a pas une troisième à la maternelle par hasard? Non, promis, ces deux-là. Bah, ça te changera de ces connards de banquiers. Tu parles. Je t'appellerai lundi, tu me raconteras. Il faudra déjà que je démissionne pas sur le chemin de l'école. Vous finissez à quelle heure déjà l'école? 16h30. Sauf le mercredi. Mercredi, on finit à midi. Des pâtes et du jambon, je crois. T'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Ouais, j'ai bossé. Moi, j'ai fait du français, la géographie et l'histoire. Ce soir, t'as intérêt à te coucher de bonne heure? Oui. Demain, il y a école. D'accord. Je suis sûre que c'est un agent secret. Un agent secret? Bah voyons. Quoi? Tu crois pas toi? Non, allez viens, c'est l'heure d'aller dormir. Bonne nuit. C'est un espion en fait. Allez non, dors maintenant. Oui, allô? Coucou ma fille, comment s'est passée ta journée avec Allison? Ça s'est bien passé. Ça a été avec elle? Le chauffeur, il parle pas. Laisse-lui le temps, c'est son premier jour. Tu verras, il va. Quand il vous connaîtra mieux, ça ira mieux. Ouais, sûrement. Anne est un brave garçon, d'après Duc. Ton père et moi, on est rassurés qu'il soit là pour vous. Oui, je sais, maman. Nous aussi, Allison est en train de dormir, je lui ferai passer le message demain. On vous appelle demain soir après le travail, d'accord? D'accord, d'accord. Bonne nuit, mes filles. Bonne nuit, maman, tu nous manques. Bisous. Bisous.
Excuse-moi de te déranger, est-ce que t'as compris le cours de maths? Moi j'ai rien compris et demain s'il y a une interro, je me perds tuer par la prof. Ok, bah c'est pas grave, je me débrouillerai. Ok, bisous, à demain. Qu'est-ce que t'as pas compris? La trigonométrie. Ouais, les maths. Ouais, et demain s'il y a une interro, je me perds tuer par la prof. C'est l'espèce de triangle, ABC, je comprends rien du tout. Et ta copine elle sait pas non plus? Non, y'a personne qui peut m'aider. Faut dormir en cours ou quoi? Bah ouais, mais ça faut pas le dire à nos parents. Ouais. Faut pas. Le soir faut dormir. Ouais, on sait, on sait. Mais toi, Alison, tu dors pas en cours, j'espère? Non. Ouais, c'est ça. Triangle ABC et rectangle en B. On donne AB est égal à 5 cm et AC est égal à 6 cm. Mm-hmm. On nomme A la mesure en degrés de l'angle BAC. A l'aide d'une relation trigonométrique et de la calculatrice, calculez une valeur approchée de A à 0,1 degré près. Ça me saoule, je comprends rien. L'interro t'as eu? Ouais, c'est ce qu'on avait révisé ensemble. C'est bien. 14 sur 20, c'est bien. Bah ouais, c'est plus que pas mal. Ouais. Merci, Al. Je t'en prie. Can't keep running away, 'cause I'm never gonna love.
comment ça se passe avec les filles? Tout se passe bien? Très bien, elles sont à l'heure le matin, il n'y a pas de souci. Apparemment, l'école, ça se passe bien. Ouais, okay. Aucun problème. Ouais, il est génial. Ça se chamaille pas trop avec Allison? Non, ça va, bon, elle rigole un petit peu entre elles, mais bon, c'est normal, c'est des sœurs. Mais vous rigole. Savez, à cet âge-là. C'est parfait alors. Bon, on tenait juste. Les filles, il y avait une petite surprise pour vous. Donc, je me. Les. Voilà. C'est ma part aussi. Tu peux ouvrir, regarde. Alors, ne lui en voulez pas. C'est Duc au courant. Qui me l'a transmis. Ah d'accord. Oui. Voilà. Parce que je leur avais rien dit. Tu peux ouvrir. J'espère que cela vous plaira. Elle est magnifique, merci beaucoup. Je suis très touchée. Je sais pas quoi dire. Merci. Oui. Kim ? Ça va, Kim ? Oui, ça va. Tu m'as l'air bizarre en ce moment. Surtout ce soir, t'as pas beaucoup mangé. Oui, juste. J'ai juste le pressentiment d'être observée. Observée ? Oui, je sais pas, depuis le départ du dernier chauffeur. T'en as parlé à tes parents ? Oui, j'en ai parlé à maman. Elle me dit que c'est dans ma tête depuis que je prends les transports en commun. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle vous a engagé. Je voudrais que tu me montres tes manteaux. Montre-les-moi. Bah, ils sont là. J'ai lui. Je comprends pas, là. Vous faites quoi? Je mets ce portable dans cette poche. Quoi? Tu l'enlèves pas. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de me justifier. À partir de maintenant, tu mettras ce manteau-là tous les jours quand tu sortiras. D'accord. T'entends la fille? Elle est où ta soeur Alison? Qu'est-ce que t'as? Hé, qu'est-ce que t'as? Elle est partie mettre la poubelle hier soir et elle est pas revenue.
Allô? C'est moi, t'es où? Comment ça où je suis? J'arrive au taf là. Elle a été enlevée, Duc. Quoi? Comment ça? Kim a été enlevée hier soir devant chez elle. Retrouve-moi là-bas dans une heure. Ok. Allô? Je t'expliquerai. Vas-y, rentre. J'ai besoin que tu la gardes pendant quelques heures. Elle s'appelle Allison. Allison, je prends son amie Angela. Tu vas rester avec elle pendant quelques temps, d'accord? Je t'appelle tout à l'heure, je tiens au courant. Non, je te... Écoute, tu vas rester avec Angela pendant quelques heures, d'accord? Je te promets que je vais me chercher tout à l'heure. D'accord? C'est bon. Allez, à tout à l'heure. Ça va aller? Je t'appelle. Ça va? Bon, viens, viens avec moi. Elle sortait des poubelles. Elle sortait la poubelle tout le soir, j'étais pas au courant de ce détail, moi. T'aurais jamais pensé qu'elle soit s'enlever devant la maison? Elle se sentait suivie depuis quelques temps. Comment ça? Elle me l'a confié le soir où je suis resté pour faire les devoirs. Et Allison? Salut. Je l'ai mise en sécurité chez une amie. C'est à qui ça? Il est à moi ce téléphone. Je l'ai placé dans le manteau de Kim le soir où il m'a fait part de ses impressions. Je peux pas effectuer le traçage comme ça sans maquise. T'es conscient? Je laisse ma place pour ça. C'est ta vie qui sera terminée si tu dois penser à son visage chaque jour en sachant que t'as rien fait pour la sauver. On peut lancer un avis de recherche. Elle sera morte d'ici là. Tu seras bien qu'au-delà de 96 heures, les chances sont minces. On la retrouvera jamais vivante. Fais ce traçage. Ok. J'arrive tout de suite. Je prends la route. Si tout s'arrête, c'est ça. Tu comptes faire quoi maintenant? Y aller tout seul? Oui. J'ai eu les parents au téléphone. Ils arrivent dans moins de 6 heures. N'en fais pas une affaire personnelle. Si, justement, c'est une affaire personnelle. Elle était sous ma responsabilité dès le soir qu'elle m'a avoué se sentir observée. Ok, Al. Fais pas le con, je pourrais pas te couvrir. Sois prudent, mec. Thank you.
Kim, est-ce que tu m'entends? Kim? Kim? Thank you.
mort du dernier chauffeur. À partir de maintenant, tu mettras ce manteau là tous les jours pour te sortir. T'aurais jamais pensé qu'elle soit sans le besoin. Elle se sortait dessus depuis quelques temps. C'est fini, c'est fini, fermez-la.